Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette petite Trick Track TV où nous allons vous présenter un jeu tiré à compte d'auteur. J'ai nommé Apagos de Francis Pacherie. C'est une boîte en bois, un jeu pour deux, édité par Holidays, enfin distribué par Holidays. 300 exemplaires, mais c'est une série limitée. D'ici quelques temps, une vraie version complète arrivera chez un éditeur dont j'ai oublié le nom, car je ne suis pas vraiment un professionnel, je ne retiens pas tout. Donc, que contient cette petite boîte? Nous allons l'ouvrir, c'est une boîte en bois, avec ici des petites charnières, je ne sais pas si vous voyez, c'est très élégant. Un petit système d'aimant qui fait que ça ne s'ouvre pas facilement. Et hop, regardez. Une petite règle du jeu, qui tient vraiment en très peu de pages, puisque là, c'est la version anglaise et la version française. La règle, on n'en a pas besoin. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Et des billes. Voilà. Oups. Je vais mettre cette boîte par devant moi. C'est le polystyrène. Parce que le jeu est tout neuf. Donc, c'est un jeu pour deux joueurs, de type abstrait, mais quand même joliment décoré, puisqu'il s'agit de tortues. Vous avez quatre tortues possédant des trous sur leur carapace. Elles sont recto-verso, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de trous là, et de l'autre côté, vous avez un autre nombre de trous qui n'est pas le même. Ça vous permet de modifier un petit peu les positions de départ, les positions de jeu, les stratégies en fonction du nombre de trous. D'accord ? Donc, au départ, vous placez vos tortues à la queue leu-leu, comme ceci, toute la tête dans un sens, peu importe lequel, mais au moins toutes dans le même sens. C'est-à-dire, soit je fais ça, évidemment, soit je fais ça, mais en tout cas, une fois que j'ai choisi un sens, hein, peu importe le nombre de trous que je mets, mais bon, on va dire on part comme ça, une fois que j'ai choisi ce sens, ça va être le sens du jeu, l'avant des tortues étant ici, elles sont à la queue leu-leu, hein, elles vont mettre bas sur les plages au bord de l'eau. J'ai des billes. Deux couleurs, une couleur par joueur, et à son tour, un joueur va avoir le choix entre deux possibilités. La première consiste à prendre n'importe quelle bille de n'importe quelle couleur dans la réserve générale qui est ici. Donc en même temps que je sois le joueur blanc et que mon adversaire est le joueur noir, c'est moi qui commence, on va dire. J'ai le droit de prendre ou du blanc ou du noir, peu importe. Je prends ma bille et je vais la positionner dans l'un des trous encore disponibles sur l'une des tortues. Et je pose ma bille comme ceci. Ça va impliquer un mouvement de tortue. La tortue qui vient de recevoir une bille avance d'une place dans la colonne. Bien évidemment, si je mets ma bille sur la première tortue, elle n'avance pas. Elle reste première tortue. Okay ? Donc, une fois que j'ai fait ça, c'est au joueur suivant. Le joueur suivant va aussi prendre une bille, peu importe la couleur, et faire la même chose. Si je la pose ici, elle va avancer ici. Deuxième chose que je peux faire à mon tour, au lieu de prendre une bille de la réserve générale, de la poser et de faire avancer une tortue, je peux prendre une bille déjà présente sur une des tortues et la faire reculer sur n'importe quelle tortue qui se situe derrière. Et là, petite différence, je n'ai le droit de bouger que les billes à ma couleur. Hors de question de toucher la couleur des adversaires. Donc là, j'ai dit que c'était blanc. Au lieu de prendre une bille ici, je peux prendre la bille blanche qui est ici et la mettre ou ici, peu importe le trou. D'accord ? Par contre, une fois mon mouvement terminé de bille, la tortue, elle, n'avance pas. Elle reste à sa place. Et là, vous vous demandez, à quoi bon faire tout ça ? Cela est simple. Une fois que l'on ne pourra plus rien faire, plus aucun joueur ne pourra ou reculer de billes ou poser une des billes disponibles, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quasiment tous les trous seront pleins, on va analyser la tortue qui est en tête. Puisqu'elles vont se déplacer au fur et à mesure de la partie, quand on arrête, il y a une tortue qui est devant. Le joueur qui a la majorité de billes à sa couleur présente dans la tortue de tête est déclaré grand vainqueur. Alors comme ça, ça a l'air un peu abstrait, bizarre, abscon, voire on ne sait pas trop où on va, mais c'est un jeu qui ressemblerait presque à un casse-tête de type remue-ménage, puisqu'une fois qu'on sera en position, il va falloir faire appel à toutes ses compétences cérébrales pour réussir à se retrouver en tête.
si on fait ceci, c'est le noir qui a gagné. Si je m'étais débrouillé pour que celle-ci finisse devant, c'est moi qui aurais gagné avec les blancs. Ben voilà, c'était une explication, ma foi, succincte mais complète, du jeu signé Francis Pachery, répondant au doux nom de Apagos. Et je m'en vais immédiatement de ce pas remettre toutes ces tortues dans leur petite boîte. J'aime bien, je suis sûr que j'aurais pu travailler à France 3 Région Centre. Moi, j'avais une tortue, elle s'appelait Caroline. Comme toutes les tortues. Mais un soir de disette, on l'a fait bouillir et on l'a mangée. Elle avait bon goût, Caroline.